Allez, salam alaikum, on revient avec partie 2, triceps. Mes biceps, ils sont congestionnés en ce moment comme pas possible. Ce qui est cool lorsque vous faites un entraînement comme ça, où vous allez regrouper le biceps et le triceps, vous êtes bien échauffé. Donc pour le triceps, on va aller directement à un poids qui est lourd léger. Les répétitions, moi j'aime bien travailler dans les 10, 12, même à 15 pour le triceps. Pour stimuler encore plus de croissance, je fais trop attention à ma forme, comme vous avez remarqué. Et c'est comme ça que j'ai appris dans ma carrière. Form, man. Ça, c'était les cris de mon compagnon d'entraînement, tout le temps avec moi. Form. Et c'est très important. Donc, ici, tout simple, on va premièrement faire d'un tirage poulie avec une prise serrée. Pourquoi? Parce que prise serrée, vous avez encore plus de contrôle sur l'exercice que lorsque vous allez prendre une prise large. C'est un exercice d'isolation. On va vraiment saturer le biceps pour aller encore plus à d'autres exercices. Je vais utiliser la poulie beaucoup dans les deux premiers exercices que je vais vous montrer. Le deuxième exercice, il est super. Mais laissez-moi d'abord vous montrer celui-là. Donc, c'est ça le mouvement. Et si vous voyez, le mouvement, il est juste court. C'est pas un mouvement qui est vraiment compliqué. Trop de gens font des trucs comme ça. Si vous êtes en train de faire des trucs comme ça, le poids, il est lourd. C'est la frime, c'est en train de frimer. Hein. Donc là, et je vais faire juste 12 répétitions. Et préparer mon triceps pour encore plus de poids tout à l'heure. Augmenter le poids un tout petit peu, à peu près 120 pounds, c'est à peu près 60 kilos. Contrôle. One more. Troisième série, la même chose. Je ne vais pas augmenter le poids, je vais garder la même chose. Regardez comme je contrôle là, regardez là. Je garde attention. C'est les meilleures sensations de triceps. One more. Last one. Dernière. L'akhira. Je peux faire un drop set ici, mais pourquoi? Vous faites le drop set à la fin de votre séance, pas maintenant. Parce que ça n'a pas de sens de mettre un drop set maintenant. Profitez encore plus de le deuxième et troisième exercice. Le dernier exercice, on va faire un drop set et je vais vous montrer comment je vais le faire. Prochain exercice, super exercice pour les triceps. Peut-être que quelqu'un, peut-être il y a des gens qui connaissent l'exercice, mais ça c'est un de mes exercices préférés. J'adore, ça isole comme pas possible. Deuxième exercice. Regardez bien ce que je suis en train de faire. Moi j'ai pas un compagnon d'entraînement en ce moment, j'ai que quelqu'un qui est en train de prendre la caméra. Elbows in, les coudes à l'intérieur, à vos côtés.
Ah. Et vous focalisez sur la contraction. Là, ça travaille le chef long et le chef latéral. Et là, j'ai pas besoin d'aller trop lourd parce que je suis vraiment isolé. Je peux pas tricher ici. Super exercice à faire et à utiliser dans votre séance de triceps. Deux séries comme ça, à rajouter et après on passe au prochain exercice. Ready? Vous êtes prêts les gloobistes? On y rend rang. J'ai un mot qui s'excite. Lorsque vous rajoutez du poids et vous n'avez pas quelqu'un avec vous pour vous aider, c'est comme ça qu'on le fait. Regardez bien ça. Je n'ai pas trop rajouté de poids parce que, comme je le disais auparavant, pas trop de poids ici parce que vous risquez de vous blesser et vous n'allez pas isoler parce que ça va être trop lourd. Là. Vous avez vu comment j'ai fait sortir ma poitrine parce que j'étais mal placé. Et c'est comme ça que vous allez commencer à apprendre à vous entraîner proprement. Il faut vraiment, vraiment communiquer à vos muscles et vos positions durant l'entraînement. Les gens qui vont faire des trucs comme ça, c'est les gens qui vont vraiment bâtir un corps de, comme vous dites vous, de ouf. Ah, ouf, c'est ça, ouf. Faux. Là, tout doucement. Ok, dernière série, j'ai rajouté un tout petit peu de poids. Super exercice, vous allez adorer. Prochain exercice, kickbacks. Je sais pas comment vous appelez ça en français, mais je me fais sur un banc pour encore plus isoler mes triceps en ce moment, congestionnés et je les sens plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un poids qui est vraiment pas très lourd et je focalise sur le mouvement. Une astuce. Ah, les globistes, ne dites à personne, hein. Lorsque vous attrapez la terre, regardez la terre. Par l'arrière, pas ici. Parce que vous n'allez pas avoir de contrôle sur la contraction lorsque vous l'attrapez ici. Mais là, arrière, vous allez avoir encore plus de contrôle sur le triceps, comme on dit. Triceps, comme les Algériens disent. Un des triceps, c'est un tas. Prochaine série. Ah.
One more. Dernière série. Bien sûr, regardez, lorsque je fais un exercice, j'oublie de vous dire ça. Lorsque vous ramenez les haltères en arrière, lorsque vous les ramenez devant, ramenez-les vers l'intérieur. Regardez bien. Très important. Donc vous êtes là. Intérieur. Pas tout droit. Maintenant, on va passer au dernier mouvement. On va finir et clôturer toute la séance. Et je vais vous dire pourquoi vous faites le dernier mouvement comme ça. Tirage poulie avec la corde pour solliciter encore plus le chef latéral. Je sens plus mes triceps en ce moment. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aime bien finir avec la corde, bien sûr. Et juste focaliser sur la contraction. Et là, vous ne pouvez pas tricher aussi. Vous ne pouvez pas prendre lourd. Si vous suivez toutes les astuces que je vous ai montrées et la forme, c'est comme si vous prenez tout le stack du poids. Lorsque vous faites cet exercice. Bien sûr, il y a beaucoup de manières de le faire. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. Mais moi, je préfère le faire comme ça. Comme ça, je peux bouger mes poignets vers l'extérieur. Regardez, lorsque je fais ça, pour travailler encore plus ça. Voilà. 12 à 15 répétitions, on va faire 3 séries et finir. Là, je vais jouer un petit peu avec les angles. Vous pouvez faire des trucs comme ça parce que maintenant, tout le boulot est fait. Juste rajouter un tout petit peu sans bien sûr détruire tout le boulot parce que vous pouvez vraiment, vraiment détruire une séance en faisant plus. Le poids il est pas trop lourd, juste les tensions. Bon vieux temps. Ça se pourrait que je vais revenir à la compétition. Ça me gratte un petit peu. Jamais. Ça y est, c'est arrêté là. Juste pour vous. Nilgun! Dernière finale. Je vais faire 7 de chaque. Juste pour vous donner une idée. Voilà les Gloobies. J'espère que ça vous a aidé. Utilisez cette routine dans votre arsenal d'entraînement. Bien sûr, le temps de repos, lorsque vous commencez, bien sûr, vous allez prendre moins. Lorsque vous commencez à évoluer vers les autres exercices, prenez un petit peu plus. Gardez le temps de repos entre 90 secondes, même à 2 minutes. Lorsque vous commencez à vraiment être congestionné, pour vraiment bénéficier de la qualité du boulot, prenez un tout petit peu plus. Et gardez la contraction, contracte, freaking contracte, ok? Laissez-moi un commentaire en bas. Petit pouce serait super. Et partagez la vidéo avec tout le monde. On commence vraiment à vous suivre ici à YouTube. Merci beaucoup pour tous les commentaires.
ça me fait vraiment plaisir et ça me donne encore plus d'idées. Ce que vous êtes en train de voir, c'est rien. Yo, c'est rien comme l'Algérien. Yo, can, yo, can, coolish. Il gagne ça, Maricot.